Hello et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. J'espère que tu vas bien, que tu es bien assis. Si tu es assis sur les toilettes, j'espère que tu vas passer un sacré moment. Et tiens-toi prêt, parce que maintenant, on est parti pour une marche de 3 heures. On va commencer par le réservoir d'Hollywood, c'est de la montagne. Il y a un lac un peu plus haut. On va aller voir ce lac-là, prendre des jolies photos, des panoramas. Et ensuite, on va aller au Griffith Park, qui se situe juste derrière les lettres Hollywood, les big grosses lettres que vous avez déjà vues dans un précédent vlog. On va aussi essayer d'avoir des plans cool et d'avoir le coucher du soleil. Ce serait vraiment magnifique. Donc maintenant, c'est parti, accroche-toi bien et on y va. Mais juste avant de partir faire cette marche, je voulais quand même un peu vous montrer le logement dans lequel j'allais vivre et j'ai vécu pendant ces 3 dernières semaines. Donc on va faire un petit room tour vite fait, juste histoire de vous montrer où j'ai vécu, les différentes pièces. Je vous montre un seul étage, pas les deux. Alors là, ça c'est la chambre, on a les casiers. Et les lits, je vais pas trop montrer parce que c'est vraiment le bordel. Une vue sur un petit parking avec juste là-bas en bas le Hollywood Boulevard. Ici, on a tout ce qui est salle de bain. Je vais pas aller dedans, en tout cas pas avec une caméra. Et on arrive sur la partie séjour. Et ici, on arrive dans la cuisine. On a un frigo, chacun peut amener mettre son truc dedans. On va juste mettre le nom, les verres, les assiettes, les plaques de cuisson. Et pour faire la vaisselle avec une petite fontaine. Voilà la partie séjour. Là, il y a le matin pour laver les affaires. La petite salle à manger. Petit miroir. La table de billard. Et la vue sur Hollywood Boulevard. Quand on sort de l'hôtel, on arrive. Voilà, j'espère que ça t'a montré où j'ai vécu pendant ces 3 dernières semaines. On va continuer cette marche et voir où j'en suis. Allez, go! Voilà, on vient de finir le réservoir de Hollywood. Maintenant, on se dirige vers les signes, vers le Griffith Park qui est juste derrière. On a encore pour environ 1h30 de marche. Alors, un peu de courage et on y va.
Voilà. Il nous reste environ 30 minutes de marche. C'est vraiment... Ouh. C'est pas près le chemin le plus facile, mais on a des jolis paysages et on voit l'antenne. Donc le panneau Hollywood est juste derrière. Fais gaffe, on met les pieds, mais 30 minutes et on y est. Ouh. Allez, on finit vite ça. Voilà, mon plan de départ, c'était de prendre le coucher du soleil depuis le signe Hollywood. Malheureusement, il commence à y avoir beaucoup de vent et ça se couvre vraiment beaucoup, donc je préfère redescendre et éviter de me faire avoir par la pluie. Donc maintenant, on entame la descente et on se retrouvera à l'hôtel. À toutes. On va finir ce vlog ici pendant qu'il y aura un petit peu de lumière. Il commence vraiment à faire sombre, il fait moche aujourd'hui. En tout cas, ça commence à faire moche. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. Ou si vous abonnez en explosant le bouton s'abonner. Et puis, moi je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog qui va venir assez rapidement. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.